Allez, aujourd'hui, on va innover, on va vous faire un camembert revisité à notre façon au four Omnia avec des pommes de terre de Noirmoutier. 600 grammes à peu près. 600 grammes environ à peu près. Alors, de l'ail, Oh là, un j'en mets maximum moins. parce que c'est en fonction Wow, des goûts, hein. ouais, voilà. On aime bien quand ça a le goût d'ail. Et Et puis. on va faire ça avec un camembert rustique. Voilà. Et du vin blanc pétillant demi-sec. On va faire comme pour la fondue, on va y innover et on vous dira ce que ça va donner. Alors on va utiliser un petit vin blanc de blanc pétillant demi-sec. Demi-sec pour que ce soit meilleur et que ça fasse ressortir le goût du camembert. De la crème de soja. Allez, on va mettre de la crème. Mais nous Fraîche. on met de la crème fraîche, hein. Vous mettez ce Oui, que vous on voulez, peut. nous c'est de la crème de soja. Voilà. Cuisine. Voilà, pour Comme ça. cuisine bien sûr. Voilà. 10 Là on centilitres a à peu près. 10 centilitres à peu près. Et là, regardez le camembert. Il dégage déjà une bonne odeur comme ça. Après, on va mettre. Après, on va mettre un peu de poivre. On a mis 4 gousses D'ail. d'ail. Donc on mettra du poivre que ça ait du goût. Ouais. Après, on va arroser copieusement de pétillant blanc de blanc, méthode champenoise, mais demi-sec. Voilà. On va saler un peu quand même, malgré que le fromage Ouais. soit un peu salé, mais je vais mettre quand même un peu de sel. Voilà. Allez, on découpe le camembert en lamelles. Alors, c'est une recette, c'est fait maison, hein. On teste. Bon, ça doit pas être mauvais, Moi, puisqu'il ça doit pas être mauvais avec des bonnes n'y a choses. que de bonnes choses. Là, il a Oh, pris ça sent bon, ça ouvre un. Ah déjà oui, l'appétit. Hein. le camembert, il a. Il a du sentiment. Hein. Il sent bien bon. Allez, on va arroser copieusement de 15 centilitres de pétillant blanc de blanc, demi-sec, je répète, pour que le goût du vin blanc se marie parfaitement avec le goût du camembert. Et on va mettre à chauffer. Allez, on enfourne et on va attendre. Alors on va normalement c'est 30 minutes, on va bien les sémenter au moins une dizaine de minutes et après je réglerai la Voilà. température. Allez, c'est parti. Le thermomètre commence à décoller. Alors 10 minutes de cuisson, il y a une bonne odeur. Il est à 130. On est à 130 Il fait degrés, mais chaud. c'est normal puisqu'il y a du liquide. Non, on n'ouvre pas, on n'ouvre pas, on laisse comme ça, on verra après. Mais alors rien que l'odeur, ça donne envie de manger. Là, on est à. Ouais. Allez, on va découvrir ensemble à 25 minutes Ah de non, cuisson. on a Non? même 55. On est à 25. On est à 30 minutes là. 30 minutes de cuisson, on va regarder, on va découvrir Et ensemble. là, ça a baissé Tout en ça, température. attention à la chaleur. Waouh! Waouh! Non, mais on n'est pas Oh non, dedans. on va pas. On voulait Non, recharger en non. Non, pétillant, c'est mais très non, bien. on va laisser comme ça. Voilà, l'odeur. Oh, c'est Ah ouais, dommage, ça ça passe c'est pas sur la bien. vidéo. Ah ouais, c'est trop. Ouh C'est au là top. là. C'est au. Voilà, on est sur la fin de la cuisson. On va vous faire découvrir dans quelques minutes la consistance et la dégustation. Et pour moins de 8 euros, vous pouvez manger à 4 avec cette recette. Faites maison. Allez, on va découvrir notre recette du jour. Faites maison. On va pouvoir éteindre le four. Oh là 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 là. Allez, on éteint. C'est On bon, éteint, on il va est éteint. déguster avec vous. Et on vous souhaite de réussir la même chose parce que franchement, pour moins de 10 euros, on va manger avec une bonne salade. Salade, ouais. Et on va boire le restant du pétillant blanc de blanc demi-sec avec le plat. Et là, ça fait un repas de fête en vanne pour moins de 10 euros. Et à boire avec modération, Et bien à sûr. boire avec modération, bien sûr. Bouffé. Alors, si vous aimez les genres de plats style fondu, ben vous aimerez notre recette avec le camembert rustique et le pétillant. C'est tout simplement une tuerie avec une bonne salade. Rien que l'odeur, ça met en bouche. Ça met un appétit. Allez, on vous souhaite de réussir la même chose et bon appétit à tous.